Et c'est un plaisir de recevoir Albert ici, à Rabat, dans cette visite de travail. Nos discussions portaient sur l'évolution de nos relations bilatérales au cours des dernières années. Et surtout au cours des deux dernières années, nous avons fait des progrès énormes. Nous avons aujourd'hui opérationnalisé les deux ambassades, ici à Rabat et à Bujumbura. Nous avons aussi renforcé notre cadre juridique et aujourd'hui nous avons signé trois accords, en plus d'un communiqué conjoint, un accord sur l'établissement d'une commission de coopération économique et un accord sur l'exemption des visas pour les passeports officiels. Nous avons convenu au cours de nos discussions de tenir au cours du premier semestre 2023 la première session de la commission mixte maroco-burundaise qui sera l'occasion pour renforcer notre coopération sectorielle et qui sera l'occasion également pour donner une forte impulsion à nos échanges économiques. Monsieur le ministre a eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de ministres sectoriels, le ministre de l'Agriculture, le ministre des Finances. Il aura aussi une rencontre avec l'OFPPT et avec l'OCP pour impliquer le maximum d'acteurs dans cette relation bilatérale au bénéfice des deux peuples frères. Nous travaillons conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de Son Excellence le Président pour que notre coopération soit basée sur le partage de l'expérience et sur une coopération sud-sud orientée vers l'action. Et c'est dans ce cadre-là que la dimension formation est une dimension importante. Et nous avons déjà augmenté le nombre de bourses de 40 à 140. Et aujourd'hui, on est prêt à aller encore plus loin dans le cadre d'une planification qui s'adapte aux besoins en formation de ce pays frère. Et d'orienter cette formation plutôt vers la formation professionnelle, et nous allons travailler sur ça. C'était l'occasion pour moi aussi de remercier le Burundi à travers mon collègue Son Excellence le Président pour des positions claires, constantes concernant la question du Sahara marocain. Et aussi nous avons convenu qu'en marge de la réunion de la réunion de la commission économique, qu'on organisera un forum d'affaires maroco-burundais pour impliquer davantage le secteur privé dans cette coopération. Donc la réunion a été positive en termes d'impulsion donnée à nos relations bilatérales, en termes de précision des échéances à venir de notre coopération et en termes de renforcement de la concertation sur un certain nombre de questions régionales et internationales. Merci. Oui, merci beaucoup. Et je voudrais tout d'abord remercier sincèrement mon collègue ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc pour son aimable invitation à venir visiter ce beau pays, ce pays que j'ai eu la chance de visiter plusieurs fois. Et quand je suis ici, je me sens chez moi, je me sens à la maison. Donc, je lui remercie infiniment pour cette invitation. Je voudrais aussi, à travers lui, transmettre les salutations fraternelles de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Évariste Ndayishimiye, à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, mais aussi à la famille royale, que Dieu la glorifie et la protège, mais aussi au peuple marocain, peuple frère. Vous savez que les relations entre nos deux pays sont des relations qui se font entre les gouvernements, mais aussi les relations de peuple à peuple. Les relations de peuple à peuple sont extrêmement importantes parce que les gouvernements passent, mais les peuples restent. Donc nous y attachons une grande importance. L'objectif de ma visite était de revisiter la mise en œuvre de la feuille de route
que nous avons tracé avec mon collègue il y a environ une année et demie, ici même à Rabat. Cette feuille de route dans plusieurs domaines d'intérêt commun a été réalisée graduellement. Et puis maintenant, c'était une façon de voir là où nous sommes et d'identifier aussi les perspectives d'avenir par rapport à la mise en œuvre de cette feuille de route. Je me réjouis que beaucoup de choses ont été faites, mais aussi pour le reste, j'ai pu rencontrer certains collègues de mon cher ami Nasser, notamment le ministre de l'Agriculture, avec qui nous avons eu des échanges fructueux. Le président de la République a baptisé cette année une année agricole au Burundi. Nous attachons une grande importance à l'agriculture parce que, comme vous le savez, un peuple qui a faim est difficile à gérer. Jusqu'à maintenant, le Burundi parvient à nourrir sa population. Nous sommes 12 millions. Nous parvenons à nourrir les Burundais sans importer les produits de base. Donc, c'est vraiment une bonne performance. Mais l'objectif, bien évidemment, n'est pas de nourrir les Burundais seulement, mais c'est de produire pour commercialiser dans la région et à l'étranger. C'est pour cela que j'ai sollicité le ministre de l'Agriculture dans ses attributions, le ministre marocain, pour qu'il puisse nous partager l'expérience dans le domaine agricole, mais aussi les technologies agricoles qui pourront nous permettre, par exemple, de produire plus en peu de temps et dans de petits espaces. J'ai aussi rencontré la ministre des Finances dans ses attributions pour parler de la coopération dans le domaine des finances publiques. J'ai rencontré également le directeur général en charge des investissements pour lui dire d'encourager davantage les compagnies marocaines à venir investir au Burundi, un pays qui est vierge en termes d'investissement étranger, mais un pays qui a mille et une opportunités. Nous sommes placés entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Si vous investissez au Burundi, vous avez en même temps le marché de l'Est de la RDC et le marché de l'Ouest de la Tanzanie. Donc ce sont des opportunités à ne pas rater. Et s'il faut investir au Burundi, c'est maintenant. Attendre 5 à 10 ans peut-être pourrait être en retard. Vous comprenez que tous les deux, nous basons maintenant nos échanges, nos négociations beaucoup plus sur la diplomatie économique pour le bien-être de nos populations respectives. Nous venons de signer 3 accords extrêmement importants, 2 accords plus un communiqué conjoint, un accord sur la mise en place d'une commission mixte de coopération qui sera chargée d'y suivre l'évaluation de ce que nous faisons dans le domaine de la coopération économique entre nos deux pays, mais aussi un accord sur l'exemption des visas entre les Burundais et les Marocains, détenteurs de passeports diplomatiques et de services spéciaux, pour permettre la mobilité de nos officiels qui viennent à Rabat ou qui vont à Bujumbura. Ça aide beaucoup à nous rencontrer mutuellement, sans beaucoup de procédures en matière de visa. J'ai eu mon visa quelques heures avant mon vol. Je pense que cette histoire est terminée, donc la fois prochaine, les choses vont aller plus vite. Donc, nous avons aussi parlé de la coopération dans les organisations régionales, internationales, comme les Nations Unies, l'Union africaine, etc., etc., pour avoir une compréhension commune des enjeux qui nous intéressent tous les deux. Nous avons aussi parlé de la question du Sahara, bien évidemment, où le Burundi attache une grande importance à la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi aux bons offices du secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel, mais aussi la résolution, donc la décision 693 de l'Union africaine, qui est aussi une résolution pertinente pour cette question. Donc, je lui ai réitéré mon attachement, l'attachement du Burundi à l'intégrité territoriale du Maroc, mais aussi à la souveraineté du Maroc, parce que les principes de l'intégrité territoriale, les principes de la souveraineté, de l'unité nationale, sont des principes qui mettent en exergue les valeurs partagées entre nous et le Maroc, mais aussi avec d'autres nations. Voilà donc en quelques mots les éléments de notre discussion. Nous allons bien évidemment continuer nos discussions à Bujumbura lors de la prochaine session de la commission mixte qui aura lieu à Bujumbura. Généralement, il se tiendra alternativement à Bujumbura et à Rabat, mais on va commencer à Bujumbura et puis après ça sera à Rabat. Voilà donc, je vous remercie infiniment de votre présence
Merci pour la couverture de cet événement. Merci beaucoup. Merci. Merci.